Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Jam avec Jerem. Et oui, c'est pas l'été, mais je porte quand même les lunettes et j'ai des petits billets. Hein. Tu veux combien? Mais non, c'est gratuit. Allez, viens, c'est même moi qui vais peut-être te payer pour que tu regardes la vidéo. Mais alors, avec des billets de Saints Row, parce que aujourd'hui, on va jouer tous ensemble à Saints Row the Third, le troisième opus de dessin. Des Saints. et oui, un jeu totalement déjanté, totalement barré, où on comprend que dalle, mais c'est vraiment... on comprend pas que dalle, mais c'est vraiment un univers barré que... Oui, on comprend pas pourquoi, ou alors où sont venues les idées des développeurs, mais vraiment, c'est un jeu totalement délire. Tout de même, déconseillé au moins de 18 ans, donc si tu as 18 ans, si tu as moins de 18 ans plutôt, 18 ans tu peux. Moins de 18 ans... file dans ton lit. Mais en tout cas, un jeu vraiment barré où on va découvrir cet univers en vidéo. Installez-vous, venez, moi je vais ranger mes petites lunettes parce que sinon je vais vraiment rien voir. Regardez dans l'écran, dans l'étui, Saints Row, carrément des superbes lunettes, des lunettes Saints Row, justement, avec des petits billets Saints Row, enfin franchement, tout est Saints Row. Et en plus, j'avais vu sur internet, si vous cherchez bien, la presse spécialisée et professionnelle ont reçu un accessoire vraiment original pour la presse. Et c'est un god niché qui mesure, je crois, 2 mètres de long. Je sais pas. En tout cas, produit vraiment aussi barré que le jeu. Alors ici, c'est le tout premier niveau. Parce que je voulais vous montrer encore une fois, comme je vous avais montré dans l'ancien, dans Saints Row 2, la personnalisation du personnage. Donc là, pour l'instant, on ne peut pas personnaliser son personnage. On est tout de suite, regardez, des grosses têtes qu'on. Il me semble qu'une fois qu'on a terminé le niveau, on l'a pour son avatar. Et on peut mettre une grosse tête à son avatar. Ça, c'est génial, parce que bon, on débloque des succès, des choses pour les avatars. Sur la version Xbox en tout cas. Ah, Y c'est du corps à corps, voilà. un coup de crosse dans les burnes, voilà. Ça c'est fait. Je sais pas si on se rapproche d'une femme, si ça fait la même chose. En tout cas, oh, ben, je vise comme une quiche, putain, j'ai du mal. Oh là 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 là, c'est souple. C'est que je vous explique, là je tourne plusieurs vidéos d'affilée. Donc là je viens de terminer un jeu qui sera prochainement mis en vidéo, et que niveau jouabilité, tout est différent, et là il faut que je me réadapte à la jouabilité de Saints Row 3. Donc, en tout cas, c'est difficile, j'ai l'air. Je vais faire du corps à corps, j'aime bien le corps à corps. À chaque fois, alors voilà, je confonds les... je suis en train d'envoyer dans le décor. Je confonds les touches, du coup, parce que sur un jeu... Voilà, je la prends en otage, mais je peux l'assommer. Même pas l'assommer, mais la faire valdinguer dans le décor. J'adore ça. J'adore. Des univers aussi barrés que ça, c'est vraiment délire. Mais on avait un masque. C'est vraiment top délire méga cool, comme dirait Boris, pour ceux qui ont connu dans les années 90, Boris. Ah, ce jeu me fait vraiment triper. C'est pas sérieux du tout. Et j'ai hâte de vous montrer justement la personnalisation du personnage pour... on va se créer un bon petit personnage bien délire comme on avait fait. Hein. Et là, en attendant, il faut qu'on termine ce niveau. Allez, il faut qu'on se rende à l'étage. Bon, on fait un carnage. Hein. J'ai pas d'autres munitions, non. Voilà, il y a des bazookas. Il est où? Il est où le bazooka? Bon, moi, en fait, il faut que j'y aille, je suis con. C'est eux qui couvrent. Allez, il faut que je signe un autographe. Ouais, cool. Oh my god! Bon, allez. Trêve de conneries. Hein. Voilà, ici ça va être pas mal. Je vais poser les explosifs. Et là, apparemment, on va se faire attaquer par carrément des hélicoptères. Oh, il y a le GIGN, je crois qu'il va venir. Ouais.
je me souviens de ce premier niveau. Ça fait longtemps. Je suis arrivé plus loin dans l'histoire, mais bon, je l'ai fait qu'une fois, ce premier niveau. Ah, il est un petit peu con, lui, mais vous allez voir. Alors, voilà, il l'a fait exprès, sale petit temps. En bip. Je vais pas faire des bips. Voilà. Inventaire d'armes. Appuyez sur B et regardez tout ce que j'ai. Je vais prendre un K8 Kruvok. Ah, il faut qu'on se défende. Ils vont arriver de par là, je crois. Non, ils arrivent de par où? Oh putain. Là-bas. Oui, c'est carrément le GIGN, là, les... Ça fait drôle, cette arme-là. Elle est carrément différente de ce que j'avais tout à l'heure. Comment ils volent? Ça aussi, c'est pas... C'est pas sérieux. Ils volent. Je vais faire du corps à corps. Allez, je vais le jeter par la fenêtre. Ah, j'adore. Et ils arrivent. Comment ils volent, c'est trop fort. Ah, il y en a en haut, il y en a en haut. Putain, il a carrément volé aussi, lui. Voilà, faut que je défende là. Et après, vous allez voir, je vais me faire attaquer par des hélicoptères. Je te raconte pas. Donc on peut viser, on peut tirer. On peut viser ou alors tirer à l'arrache. Allez, ils sont encore en haut là. Allez, je vais leur tirer dans les genoux. Allez. Toi mon gars, tu vas prendre. Voilà. Prends ta balle. Oh les l'hélicoptère. J'ai pas de gros bazooka. Allez, crève, crève. Putain, je balance toutes mes balles. Wow. Là ça va être impressionnant. Ouais, ça va être marrant là. Là ça va être pas mal. Vous allez voir ce que je vais carrément être sur le. Ils sont en train de prendre le coffre. Hop. J'attache. C'est pas moi qui joue bien sûr. Et allez, là c'est moi qui vais jouer. Voilà, c'est impressionnant. C'est pour ça que ce premier niveau aussi est impressionnant. Regardez, là je commence à m'envoler. Je suis carrément dans les airs. Enfin, pas encore, mais je vais carrément voler dans les airs. Donc là, je suis en train de faire un méga braquage de malade. Le braquage qui tue. Vous voyez la taille du coffre que je suis en train de voler. Oh là là. Ça, c'est impressionnant, ça. J'ai vraiment kiffé quand j'ai vu ce niveau. Je suis oh putain, c'est pas possible. C'est énorme, mais là ils ont mis des bouchées doubles pour ce jeu. Wow. Allez, mais crève toi. Oh putain. Ça, quand il a volé. On peut pas. Ah, voilà, faut tirer devant. Tirer aux bêtes de l'hélico. Oh, toi, c'est le gros hélico. Regardez, il y a sa jauge de vie en haut, mais putain, il. Faut y aller pour l'avoir. Faut y aller pour l'avoir. Là, je suis carrément avec ma grosse tête. Putain, je sais pas comment il fait. Là, c'est impressionnant. Dans toutes les positions, on tire. Ouh, c'est la fête. Et comment il recharge tranquillement. Oh, putain, j'ai du mal à viser parce qu'en plus, ça bouge. Ça bouge dans tous les sens. Waouh, et l'autre hélicoptère, il continue à nous faire chier. Allez, crève. J'espère que je vais crever l'hélicoptère avant. Là. Il est où l'hélicoptère là? Il est là-bas. Ouah, non, c'était pas lui, mais il y a le gros là-bas. Je sais pas où il est. Oh là là, c'est de pire en pire, c'est de pire en pire. Mais je m'accroche malgré tout. Ah là-bas. Ah là. Putain, j'avais du mal, je voyais pas mon viseur. Il est là-bas, le gros hélicoptère de mes deux. Allez, crève, crève, crève. Ah ah ah, il défaille, il défaille, il défaille, il défaille, il est parti, il est parti. Malheureusement, c'est pour ma tronche. Mais on s'en sort toujours. Par contre, le coffre, il est tombé. Hein.
Ah, on va se dire, on est libéré. Eh ben non. Il y a tout ça, et voilà. Un hold-up qui tourne mal, terminé. Respect 1. Il y a toujours la jauge de respect. Alors, on va continuer là. C'est vrai que là, la personnalisation de notre personnage. Alors, moi, dans le jeu, sur ma sauvegarde, parce que là, j'ai pris ma carte mémoire, donc c'est pas ma sauvegarde que je fais. Mais dans le jeu, moi, j'ai essayé de créer le personnage Frankenfurter. Pour ceux qui connaissent Rocky Horror Picture Show, un film que j'adore, mon film, ma comédie musicale des années... c'est quelle année ? Ça a 35 ans maintenant, des années 80, que j'adore. Donc j'ai essayé de recréer ce personnage, j'ai réussi à peu de choses près, parce que franchement, on peut carrément foutre son personnage à poil. Alors là, on va faire le corps, allez, on va s'attarder là-dessus. Vous avez vu en gros le jeu, la dynamique du jeu. Alors bon, on peut faire... Ah tiens, la première fois, off. Je sais pas, sur Saints Row 2, j'avais créé un homme travesti, mais là, il est en femme, je vous aurais pas donné. On va continuer, mais c'est pas grave. Donc on peut prendre type hispanique, type asiatique ou afro-américain. Bon, on va continuer sur le caucasien. Alors, voilà. Carrure. On peut faire un gros, maigre. Oh, allez, je vais faire un gros. Je vais faire un gros travesti. Allez, on va délirer. Peau. Bon, on va laisser blanc. Bronze. Alors, bronzage. Bronzage paysan, bronzage. Bikini short et bikini string. C'est. Allez. Âge. On va faire un vieux. Un vieux travesti. Un vieux gros travesti. Ça va être beau. C'est de sa pile. Regardez. On peut faire grossir sans cette sapule. Bon, là, sur un gros, ça se voit pas, en fait. Hein. Sur un personnage à forte corpulence, hein, on va pas rigoler. On va faire un gros cette sapule. Allez, voilà. Le visage. Les traits du visage. On peut... on sélectionne. On peut mettre pas mal de trucs. Tâches de rousseur. On va mettre des taches de rousseur, des trous dans le visage, non. Grande cicatrice, non. On peut faire vraiment, on peut créer son personnage, mais... des verrues. On va lui en foutre partout des verrues. On va lui foutre partout des verrues. On va lui mettre des grains de beauté un peu partout aussi. Ah, c'est... Tu as atteint le nombre maximum de sélections autorisées. Ah merde, on peut pas mettre plus. Bon, c'est pas grave. La tête. Putain, on peut lui faire... Je vais enlever ses cheveux déjà. C'est où les cheveux? Cheveux. Pom-pom girl. Ah là là. Ah oui, j'aime bien quand même. Comme ça, j'aime bien. Oh, un moine. Coupe à la moine. Milon. Mauvais garçon. Oula, bad boy. Il y a tellement de coiffures que je sais même pas quoi prendre. Oh, femme de maison des années 50. Faut lui prendre déstructuré, c'est magnifique. Non, vaut mieux que ça soit coupé court. Si j'arrive à lui choper, hein. Voilà, ça va pas. Belle du Sud. Banane, amour rock. Ah, je sais pas quoi prendre, hein. J'aimais bien la petite jeune... Oh. Volumine. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Allez, on va prendre ça. On peut vraiment faire des trucs à la con, mais j'ai envie de rester quand même sérieux. Ah là 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 là. On va lui prendre roux. Allez, un beau petit roux. On va pas lui mettre de pilosité faciale. Vaut mieux qu'il reste sain. Des sourcils. Ouh, comme ça. Trop épilé. Puis on va mettre aussi la couleur. Allez, voilà, comme ça. Bon, il est magnifique comme ça. J'ai même pas envie de lui.
Là, il fait peur quand même. Allez, maquillage, tiens. Eyeliner. Voilà, c'est magnifique comme ça. Ouais, c'est magnifique. Toujours dans un esprit roux. Faut mettre du rouge. Du rouge. Non. Oh, on va mettre du noir. Ah merde, j'ai mis du blanc. Ah bah merde. Voilà. Bah ça fait peur. Fard à paupières. Ça fait un peu de trop quand même. Hein. Ouais, comme ça. On est dans un ton bleu. Un ton bleu, voilà. C'est, je délire à faire ça. Allez, on va faire des ongles. Des beaux ongles rouges. On peut faire, vous voyez vraiment qu'on peut faire vraiment beaucoup de choses. C'est quoi ça? Oh, un maquillage comme ça. Oh, mais putain, on peut faire un catcheur carrément. c'est pas bien. C'est pas bien ça. Bouche, faut lui mettre du rouge à lèvres. Du rouge à lèvres bleu pour que ça suive, que ça fasse rappel. Ça fasse rappel. Oh, jeune mariée rougissante. Ouais, c'est magnifique. J'adore les. J'adore les. Les noms, les mots qu'ils donnent à ça. Alors là, on peut faire, bien sûr, voilà, hein, la personnalité. Ah, où c'est parti? Ah, ça, c'est bien ça. Yeah, allez, lui, je le vois. Et la vanne, alors là, il y a des vannes vraiment, vraiment marrants. Cosplay, c'est quoi, tiens? J'aime bien lui. On peut prendre sa voix. Il y a zombie. Allez, lancez parti. Ah, on peut pas choisir ses vêtements. Non, on peut pas choisir. Ah, c'est bizarre. Il me semble que j'avais choisi ses vêtements. Bon, c'est pas grave. Allez, on va prendre. Hein. Bon, je le passe pour pas passer 3 heures là-dessus parce que sinon on n'a pas fini. Hein. Sinon on n'a pas fini, mais franchement, faut prendre son temps pour faire son personnage. Ce que je trouve important, c'est qu'on va le garder à vie tout le long du jeu. Donc ce serait un peu con de plus. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. J'ai fait un tout autre personnage du 2. Je trouve quand même que mon personnage du Saints Row 2 il était plus réussi là. Bon. Il est sympa, mais bon, j'aurais pu mieux faire. Mais bon, on va passer du temps et on n'a pas beaucoup de temps. Hein, comme là, on a déjà passé, je suis sûr, 5 minutes, 5 bonnes minutes à faire le personnage. Ça va pas. Bon, c'est quand même rigolo, hein. Alors, on peut faire des personnages sérieux, on peut essayer de se recréer. Ou alors, on peut faire des super-héros, on peut faire des. On peut faire tout, quoi. On peut faire tout. Et c'est ça qui est marrant. Et après, par la suite, on peut acheter des habits dans les. Dans les boutiques. Il y a vraiment de quoi faire. Allez, je passe la vidéo. On peut passer. Pour faire un petit bout de chemin du premier niveau, du niveau. Bon, là, vous l'avez déjà vu, déjà, c'était assez bien dynamique, bien marrant, bien fun. Vous avez vu un peu le premier niveau, là, le braquage. Allez, attaque puissante. Vous avez vu comment c'est dynamique. Allez, je bourrine. Donc là, pour l'instant, là, je suis dans un avion et j'ai que dalle. Alors, regardez les détails. Là, il y a un petit violon. Il y a un petit violon. Qu'est-ce qui dépasse, là, du bagage? Il y a carrément un god. Un god niché qui dépasse du bagage. Faut regarder vraiment. Hein. Moi, je regarde tous les petits détails, surtout dans ce jeu-là. Il faut regarder tous les petits détails. C'est ce qui fait toute la différence. Voilà. Ça tangue, hein. Mon mec, il est baraqué. Mouah. Pouf, un coup de pied latéral. Oh là là, il l'a eu dans la tronche. Hein. Il s'en souvient. Il va s'en souvenir. Allez, Y. Youhou. J'aurais dû le garder pour faire du corps à corps. J'aime bien faire les corps à corps, en fait. Allez. Alors, ça, je sais pas regarder. J'ai beau le prendre en otage, mais ça les empêche pas de tirer quand même, hein, c'est con. Allez. Dans la voiture. Ça les empêche pas de tirer. Oh putain.
Parce que regardez, il me tire quand même dessus. C'est couillon. J'ai pas trop compris. Allez, je vais essayer. Je sais pas s'il y a un ennemi. Putain, les ennemis, ils sont en haut. Bon, allez, il m'énerve. Ouais. Oh merde, j'ai pas réussi. Eh, je vais te tirer dans tes... Ah, j'aurais voulu lui péter ses airbags, parce que je suis sûr que c'est des faux. Hein, c'était des faux. Putain, je vais le tirer entre les marches. Allez. Ouah. C'est excellent. C'est excellent. Il y a un petit parachute. Hein. Son parachute est tout petit, hein, vu sa carrure. Allez, je passe. Alors ici, voilà, on a sauté en parachute. Oh, alors, c'est un beau petit point de passage en parachute. Alors là, voilà. Allez, ça n'empêche pas d'avoir des ennemis quand même. Ils sont là-bas, les ennemis. C'est pas facile à avoir. Putain, ouais, c'est vrai. Faut essayer de les avoir. Putain, j'ai du mal. Hop là, c'est super fun parce que voilà quoi, on peut. On peut regarder tout en haut ou tout en bas. Je vais regarder. Ah merde, ils sont partis tout en bas. Ah. C'est vraiment super sympa. Vous voyez, ce jeu, il est énorme. Ouais, faut regarder en bas, en haut. Oh putain, il passe en bas maintenant. C'est le gros bordel. Alors faut vraiment. Faut pas avoir ni le vertige et ni le... Alors on peut tirer dans les voitures, je crois. Merde, je recharge, putain. Ah, putain. C'est super chaud. Putain, mais j'ai du mal. Il y en a d'autres qui vont arriver. On peut tirer... Oh là, je me prends des cabines. Des cabines, des... Ah, j'essaye de tirer dans les voitures, mais j'arrive pas. Ah, je me prends des cartons plutôt. Des... Ah, voilà. On peut faire des carnages, c'est ça qui est bien. Il faut que je récupère ma copine, là. Allez, allez, viens. Hop là. Voilà. Nous voilà sortis de l'auberge. Enfin, pas tout à fait. Pas tout à fait, parce que regardez ce qui nous arrive en pleine tronche. L'avion, et vous allez voir le truc de malade que je vais faire. Regardez bien. C'est un truc de fou. C'est ça qui est super fun. Enfin, un truc de fou. On est en train de tomber hein, pour l'instant. Allez, regardez. Il se rapproche de plus en plus. Tout doucement, mais il se rapproche de plus en plus. Regardez ce que je fais. Attends que. Ah, je sais pas. Ah merde, bah il fallait que je fasse. Ah, c'est con. Regardez. Échec. Ah merde, alors. J'ai pas vu de touche. J'ai pas fait gaffe à une touche. Ah merde, je suis obligé de tout refaire. Ah non, je la reprends. Allez, viens ici. Allez, est-ce que je peux passer? Ah non, je refais. Ah merde, c'est con. Ah, dommage, je suis désolé. Ah, franchement, je suis déçu. Je suis désolé et déçu. J'ai fait un malencontreux. Putain, je suis déçu là, je suis dégoûté. Bah, je vais continuer, je vais vous le refaire parce que je voulais vous montrer le truc de malade qu'il faisait, j'étais tout content. Bah merde alors. Youhou. Bon, ils sont en bas. Ils sont de l'autre côté. Ah bah merde, et j'ai vraiment pas fait gaffe à s'il y avait une indication sur l'écran. Bah, je suis dégoûté là. C'est des petites voitures, mais ça leur fait rien. Ah, ils sont carrément là. Ils descendent assis. Ils ont une position à la cour quand même. Hein. C'est... Je vais recharger. Ah, il va falloir éviter les trucs. Faut les éviter. Oh putain. Oh, je suis carrément dedans. Moi. Oh, je vois rien. Oh putain, la caisse.
un petit passage, je ne veux pas dire plateforme, mais de descente. Allez, je vais rattraper. Alors, je vais me concentrer parce que franchement, j'ai pas vu ce qu'il y avait. Je suis désolé hein, de vous infliger la deuxième. Franchement, j'ai pas capté ce qu'il fallait toucher. J'étais dans l'euphorie de vouloir vous montrer ce que c'était. Alors, tirer dans la vitre, entrer dans l'avion. Allez, il faut que je fasse un truc là, non? Ah voilà, putain, j'ai eu peur. Alors, vous avez vu ce qu'il a dit? Si je suis synchro, je peux péter la vitre de l'avion, entrer dans l'avion, tuer machin. Vous avez vu ce qu'il fait? Choper son parachute et l'utiliser. Allez, là, on va y arriver, mais il y a encore des ennemis. Encore une séance, vous avez le truc de malade qu'il a fait. Ah, j'ai plus de munitions, regardez la position à la con qu'il a lui. Il pourrait faire caca tout en étant... tout en tombant de l'avion plutôt. C'est la position assise. Waouh, encore un con qui... Allez, pète-lui sa tête, en plus sa tête c'est lunettes. Tranquille. Tranquille le gars. Voilà, faut que j'évite. Péter les voitures, tiens. On peut pas péter les voitures là. Allez, faut que je récupère ma copine en fait. Hein, parce qu'elle, elle a pas de parachute, il me semble. Allez là, allez là, allez là, allez là, allez, allez, allez. On va. Et là, voilà. Tranquille. Elle est longue cette chute, hein, n'empêche. Ils sont à des centaines de kilomètres du sol. En tout cas, voilà. J'espère que ces premiers niveaux forts en émotion vous ont plu. Moi, je vous conseille vraiment Saints Row, The Third, un univers totalement déjanté, déconseillé aux moins de 18 ans, parce que vous avez vu, il y a des godes, il y a du sexe, il y a de l'alcool, il y a tout, quoi. Mais tout en fun ou en démesuré, et ça, c'est peut-être un peu ça qui... Il n'y a pas de limite. C'est peut-être pour ça qu'il y a des conseillers moins de 18 ans. Allez, moi, je vous donne rendez-vous tout de suite sur le site www.ijeremy.fr. N'hésitez pas et n'oubliez pas de me suivre sur Facebook et également sur Twitter. Allez, moi, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien et amusez-vous bien à Saints Row the Third. Allez, ciao.